va pas trop faire de bruit. Venez. Voilà. Bonjour. On ne pouvait pas trop parler, c'est vrai qu'on était à l'intérieur d'une église. Nous sommes en direct depuis Vico. Nous sommes à l'église Sainte-Marie. Et qu'est-ce qu'il va se passer ce soir à Vico, à Sainte-Marie? Bien, c'est le début des hostilités concernant Sorim Musica. C'est le premier des concerts qui aura lieu ce soir ici à 21h30. Alors, vous avez vu Jean-Claude Aquavive, vous avez vu Bertrand Cervera. C'est ce soir que commencera à 21h30 cette opération Sorim Musica. Je crois que c'est la 14e du nom. Et ça va durer 10 jours, pendant 10 jours. Des formations, des masterclass. On va parler de tout cela avec... Alors, une fois que la demoiselle là-bas nous aura laissé la place, on va aller embêter un peu Dominique. C'est ça, Laurent? Bonjour, Laurent. Ça va? Bien. On va... C'est ce qu'on va faire, Laurent. Viens. On va pousser nos confrères qui feront un DSNG ce soir en direct. Bonjour Caroline Ferrer. Bonjour Yann Bénard. Alors, une fidèle de la musique classique, Caroline Ferrer, et une fidèle de Sorim Musica, qui sera ce soir en direct pour l'édition de 19h, c'est ça? Absolument, avec Dominique Spinozzi. Donc, nous serons en direct de la place de la mairie à Vico, avec la chorale basque Larun Kanta. On vous laisse le direct avec la Rougonta. Nous, on sera en direct tout à l'heure avec Jean-Claude Aquavive, avec le groupe Avilette, mais aussi bien sûr avec Bertrand Cervera. Mais en attendant, je te vole, si tu veux bien, Dominique. Je sais qu'elle ne voulait pas. Elle m'a dit, il y a Pierre-Antoine. Mais Pierre-Antoine, il est oui, tout il est près. Bien, il est tout bien. Près. Oui, mais il est tout près des chanteurs. Et, ouais. Et là, c'est vraiment les répétitions. Et on va le laisser un peu tranquille. Sinon, donc, faute de grive, on... Non, hein, c'est juste que j'ai pas envie de prendre grive. C'est parce qu'ils sont gentils, Avilette. Oui, mais quand ils s'énervent, ils sont plus gentils. Voilà, ah, et on va essayer de faire attention. Oh, je disais, 10 jours d'échange, 10 jours de partage. 10 jours de... C'est quoi, la musique n'a pas de frontières, elle n'a pas de couleurs. Oui, et puis surtout, voilà, maintenant quand on dit le partage, c'est un peu tarte à la crème, hein, tout le monde y va. On le met partout. Voilà, on le met partout, les valeurs et le partage. Bon, alors moi je vais donc continuer dans la lignée parce que c'est effectivement les valeurs et le partage. Donc les valeurs, c'est valeurs humaines, parce qu'on ne construit pas un festival sans valeurs humaines. 14 ans, hein, 4, déjà. Voilà, c'est ça. Et donc au départ, bon, Bertrand, il est de Rennes, hein, les gens commencent à le savoir quand même un petit peu. Et... Alors, s'il y a encore des gens qui ne sont pas au courant, le festival Sorim Musica, c'est la volonté de plein de gens, de plein d'énergie, mais c'est aussi une tête à l'avant. C'est Bertrand, c'est Pierre-Antoine. Voilà. Bertrand, est-ce qu'il faut encore le présenter? On le dit quand même. Me le dire, il va prendre un sacré coup de vieux, pire que moi du coup. Premier quand même. Ouais, premier violon. Il est violon solo de l'Orchestre National de France, il est professeur au Conservatoire National d'Île-de-France et de Paris, et il fait partie des musiciens qui jouent dans le World Orchestra for Peace. Donc ça a été créé il y a quelques années, ce sont les meilleurs solistes des plus grands orchestres qui vont jouer dans des endroits extraordinaires. C'est comme ça qu'on a joué, par exemple, quand je dis on, c'est générique, hein, vous aurez compris, qui sont allés jouer du Wagner... en Israël. Voilà, ce sont aussi des musiciens qui travaillent beaucoup le symbole. Et ici, on a des symboles. Comme alors ça ici, on les a appelés comment? Une histoire de cordes, Paris classique, Avilette, une rencontre, 21h30 ce soir. On va jeter un coup d'œil s'ils ont fini les répétitions, Laurent. Et j'ai pas présenté Dominique. Dominique, bien entendu, qui est... Dominique Pedouzzi-Marianne. Mais qui est en charge aussi de la communication. Aussi, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'elle n'aime pas parler. Elle est en charge de la communication, mais elle aime bien le travail un peu derrière, en back-office. Merci Dominique, désolé. On retourne à l'intérieur de l'église Sainte-Marie de Vico. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, c'est très calme. Juste pour votre information, ces concerts sont gratuits. Et ce soir, ici, les portes d'entrée de l'église seront grandes ouvertes parce que non seulement l'église sera remplie, mais les gens seront présents jusqu'à l'extérieur de l'église. Et puisqu'on parle de nos confrères, on fait un petit coucou à Marion. Oui, Marion, nous sommes en direct. Bonjour Marion. C'est-à-dire que quand vous verrez ce soir Caroline Ferrer en direct pour les éditions de 19h, ben en même temps, il y aura Marion, mais je ne peux pas trop lui parler parce qu'elle est très déçue, Marion, parce que Marion est une fan de football. Et on dit, chut, on est dans une église. Marion. Et oui, il y a quand même une triste nouvelle, c'est que malheureusement, la commission, Marion, c'est ça qui te touche aujourd'hui. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, on est quand même tous malheureux parce que la commission a rejeté la demande du SCB qui sera donc, bien entendu, en national.
J'ai vu Dominique, elle m'a dit, pourquoi tu parles pas avec Pierre-Antoine? Je lui ai dit, il est trop près des répètes, on va me crier. Qu'est-ce qu'on fait, Pierre-Antoine? On va se promener un peu? Laurent, on retourne un peu dehors, on va se promener un peu dans le village. Ils en ont encore pour combien, là? À mon avis, un quart d'heure, hein, je pense. Hein. Encore un quart d'heure? Oui, c'est toujours un quart d'heure, en fait. Alors, il y a deux chiffres clés. Hein. Il y a les randonneurs et les guides d'eau de montagne qui vous disent toujours encore 5 minutes. Ça, c'est la règle. Et en fait, il y a les gens qui font des répètes et c'est encore un quart d'heure. C'est la spécialité de Bertrand. Il y en a pour combien de temps? Un quart d'heure, ça va. Ça fait trois quarts d'heure qu'il y en a pour un quart d'heure. Ah, très bien, donc, c'est comme ça. C'est le genre de classique, c'est dans un quart d'heure. Allez, on se retrouve un peu. On se fait un petit tour parce qu'on était avec Dominique, on est resté juste sur le parvis de l'église. On peut se promener juste un peu? Bien sûr. On va profiter de Vico. Vico, superbe, superbe village. Ah oui, Vico, le surnom, c'est Pays des Vaches et des Taureaux. Et il y a un deuxième surnom, c'est Biguig, Poista Centani, Mai un Tivare un Amigo. Mais c'est faux. C'est pas vrai, c'est méchant. Alors moi, j'y suis resté seulement 6 ans à Vico. Ouais. Enseignant, et je peux vous dire que des amis, je m'en suis fait, et des vrais. Alors, il y en a d'autres, des proverbes pas sympas sur la région. À l'entrée de Vico, il y a un petit village aussi sur la gauche. Oui, non, mais je ne dis pas. Je dis pas. Non, parce que moi, parce que je suis de Vico, hein, par ma mère, et ça fait 48 ans que je viens passer une partie de mes vacances, en tout cas le mois d'août. Donc, comment c'est te pour ça que je me permets la magagne. Comment te présente Pierre-Antoine? Tout le monde te connaît? Ben moi, en fait. Bon, Pierre-Antoine, en fait, donc étant originaire de Vico et pour concernant le festival Souris Musique, en fait, je suis copain de Bertrand, qui est originaire de la banlieue de Vico, c'est-à-dire Rennes. Rennes, la banlieue. Voilà. Là, tu es en train de te faire des amis, tu es vraiment en train de te faire des amis. Voilà. On est sur l'axe central du village. Hein. La franche banlieue. Et en fait, donc toujours un projet autour de la musique. Parce que Bertrand, bon, je ne sais pas si vous l'interrogerez tout à l'heure, mais au-delà de son aspect classique, il a bourlingué avant d'arriver. Il a bourlingué, c'est un bon vivant, et il aime toutes les musiques. Et nous, on s'est retrouvés autour du chant corse, de la musique, et on faisait tout le temps des bringues chez lui. Et on s'est dit, pourquoi pas faire des bringues pour tout le monde? Donc on s'est dit, on va faire Souris Musique. Alors Souris Musique, c'est l'histoire de copains qui ont eu envie de faire des bringues à la maison. Coucou. C'est ma fille, c'est pour ça. Qui est fan de musique aussi. Oh là. Bah oui, si le monsieur y recule. Voilà, on va se calmer, madame. C'est rien, tout va bien. Tout va bien. Bonjour. Ah bah oui. Ça, je vous jure, il faut passer. C'est simple. Pour traverser Vico, il y a un endroit, c'est en sens unique. C'est voilà, pas la peine ça. C'est vrai qu'au niveau de la circulation, c'est pas ça. Oui, je sais plus ce qu'on disait. Une histoire de potes avec François Aimé, toute une équipe d'amis. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de faire un concert. Je crois que c'était à Pâques. Et on va voir ce que ça donne. Alors, moi, j'ai rien fait dans le concert. J'ai juste aidé à porter les pianos, les chaises, etc. C'est pas une onde. Voilà. Mais Bertrand, avec tous ses amis musiciens, il a dit, on a essayé, on a fait un duo. C'était violon-piano. Et ça s'était super bien passé. Il y avait du monde, on a refusé du monde. Et puis, on a dit, on va continuer. Voilà. Et là, on en est à la 14e édition. Et il y a eu des grands noms qui sont venus. Hein. On retourne un peu vers on dit bonjour, tiens, bonjour à la fille. Voilà, comme ça, bonjour. Dis bonjour papa, on a le droit. Bonjour, papa. Voilà, comme ça, elle est à la honte, elle est sur Facebook. Tout décote. Tu as le droit de partager. Je vous rappelle, bien entendu, qu'on est en direct sur Facebook, que vous pouvez partager, parce que ce soir, il y a le premier... Voilà, liker. Comment on dit liker, partager, commenter. Premier gros événement. Oui, Laurent Simon Poy. Tu as oublié de présenter Pierre-Antoine. Parce que j'ai dit, comment on te présente? J'ai dit, on ne me présente pas. Pierre-Antoine, il faisait Die Falling Grandson, il disait toujours à la fin, Vaiogun Tatavol, Awa. C'est vrai. Tu nous l'as refait? Tu nous l'as fait? Et Compiavol, et Agansona. Mais bon, c'était il y a longtemps, hein. Il y a très longtemps. Autre chose, il est en finition d'un documentaire sur les 40 ans d'Etia Madialès. Qu'on trouvera bien entendu sur Viasté. Oui. Là, on sort du montage, on va partir en mixage fin août. Et puis, dès septembre, je crois que c'est la diffusion le 16 septembre, me semble-t-il. Il y a des gens, j'ai vu le régisseur. Ah, ouais, il y a oui, le régisseur oui. De... Sympa, Jérémy, ouais. Non, et puis celui en jaune, là, c'est... Ah oui, c'est Nicolas. Qui est en fait le régisseur De l'Orchestre National de France. Voilà, et qui est venu lui aussi. Il y a Jérémy, bonjour, Jérémy. On est en direct. Voilà. Pas de bêtises. Vous l'avez vu, non? Oui, il est monté. Il y a Nicolas qui est remonté. Ah. Alors en gros, si le régisseur se permet de sortir de l'église... Voilà. En fait, ce qui est intéressant là, dans un projet comme Souris Musique, c'est qu'il y a des professionnels, des amateurs de tous les côtés. Du côté musicien, attention à la voiture, et du côté aussi de tous les bénévoles et de tous les gens qui aident.
Puisqu'on en est à faire des bisous, tiens, elle est tranquillement installée, je sais qu'elle adore ça. Valérie, elle adore ça, quand on est en direct. Valérie, quand on est en direct, elle adore qu'on vienne la couper. C'est ça. Tu es avec qui au téléphone, Valérie? Avec Dominique Dusbeu-Galvez. Dominique, comment ça va? C'est Yann Bénard de France 3, ça va? On est en direct, je viens faire un bisou à Valérie. Elle adore, oui, elle adore. Oui, on est à Vico, bien sûr. Je te fais un bisou. Bisous Dominique, bisous Valérie. Alors Valérie, vous l'aviez vu, on avait fait toute une balade ensemble à la Poudrière. Valérie et Avilette, c'est... comment dire? Comme ça. Alors, je ne pouvais pas éviter. Je sais qu'elle adore passer à la télé. Valérie, c'est ça. C'est elle adore la télé, ça. Son truc, hein. Tu crois qu'ils ont terminé? Ben, j'espère. C'est pas dans un quart d'heure, on va voir. Ne pleure pas, c'est pas grave, c'est que du foot. On va... regarde, oui, oui. Attends, on va passer par là. Mais je sais pas où on y aille, je te suis. Moi, il y a un truc qui me rassure, c'est que quand on est avec Pierre-Antoine, on sait qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous arriver. Aujourd'hui, tu as dit, j'ai commencé par porter des pianos. Ouais. Aujourd'hui, tu continues de porter des pianos. Oui, c'est, oui. Mais des pianos électriques. C'est plus léger. Voilà. Tu veux qu'on aille voir Nicolas? Nicolas. Ça fait en gros trois quarts d'heure qu'on nous dit c'est fini dans un quart d'heure. On est en direct. Comment on fait, nous? Le problème, c'est les musiciens. Il faut qu'ils répètent. Non, mais on m'a dit que c'était la faute à Bertrand. On s'éloigne, c'est ça, c'est mon circuit. Non, parce qu'il va s'agacer si on fait trop de bruit. Non, non. Non, ça va vraiment finir dans un quart d'heure, là, je crois. Mais ça fait une demi-heure qu'on me dit dans un quart d'heure, moi. Ouais, non, mais là, tu sais. C'est un vrai quart d'heure, là. Ouais, là, c'est un vrai quart d'heure. Là, ils reprennent juste ce qu'ils ont vu au début avec Affilette et ça va le faire. Comment on vit quand on est régisseur à votre niveau, quand on se retrouve à l'église Sainte-Marie de Vico et qu'on se retrouve dans un univers un peu différent où il n'y a pas que des professionnels, il y a aussi des amateurs, il y a aussi des casse-pieds comme nous. On vit avec un petit ulcère? Non, pas du tout. C'est même pas une question d'amateur ou professionnel. La façon... Tout le monde sur le festival se sent concerné, donc tout le monde est professionnel quelque part. Non, les surprises qu'on a, c'est un hôtel à déplacer qui doit faire 250 kilos. On parlait de piano à déplacer. On l'a fait à deux, parce qu'il n'était pas là. C'est le chef, il ne porte pas. Et puis, grosso modo, on a Toussaint là-bas qui a un petit génie de la lumière et des circuits électriques, donc il arrive toujours à trouver suffisamment de courant pour alimenter tout le monde et on s'en sort très bien. C'est pas la première année que vous venez, vous aussi? Non. Troisième année. Ouais. Finalement, on y prend goût. Ah, carrément. Quand on découvre ce milieu, quand on vient de Paris, avec les grosses structures, quand on découvre ce milieu, on est quand même un peu surpris au début. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font dans les deux sourds, dans les deux sèvres, un festival comme ça de... En France, c'était oui. Partout où tu ailles, des festivals partout. Et puis, c'est la vraie musique qui est là. C'est la musique, entre guillemets, je peux pas dire... Enfin, c'est la musique qui va vers les gens. Donc, en fait, ça se mélange professionnel, amateur, et puis tout le monde donne du 100%, ce qui n'est pas toujours le cas dans les grosses structures finalement. Parce que là, en fait, quelque part, c'est le travail de personne. Mais tout le monde vient là par passion, tu vois. Quand tout le monde a envie d'aller dans la même direction, souvent ça se passe plutôt bien. Mais là, c'est exactement ce qui se passe ici, quoi. C'est pour ça que c'est le combien, 14e? 14e. Et puis voilà. Et que ça dure 10 jours, et que c'est en moyenne 2 spectacles par jour. Depuis tout à l'heure, je dis que le Sorry Musica commence avec ce moment, à 21h30, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un premier moment à 18h30. Ouais, 30. Il y a une chorale basque que notre maire François Colonne a, enfin par amitié, c'est des Basques qui voulaient venir depuis plusieurs années. Et puis, la Ronde Canta. Voilà, la Ronde Canta. Alors que j'ai découvert hier en fait, une répétition. Ça a l'air sympa, mais on ne peut pas dire qu'on les connaît. Donc on va avoir la surprise tout à l'heure. Ils sont 35, ils ont payé leur voyage, ils sont venus en Corse, et ils vont passer quelques jours à Vico. Ils se produisent tout à l'heure sur la place du village, place Madrona. Tu parles de sous, est-ce qu'on peut parler de sous avec toi? Le budget de Sorry Musica, c'est combien? Moi, je ne suis pas le meilleur. Allez, pour parler balance, de sous. À la louche. Je dirais peut-être 60 000 euros en tout. Parce que, c'est ridicule. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, mais je ne sais pas si on a le temps de le dire, c'est que là, on prend les festivals d'été, et on est en été. Mais Sorry Musica, c'est toute l'année. Voilà. Il y a une session en hiver, il y a une session à Pâques, et il y a surtout, c'est moins médiatique, mais il y a des interventions partout. Les maisons d'arrêt,
les maisons de retraite, les EHPAD et les écoles. Ça, ça nous tient à cœur. En parlant d'EHPAD, puisque tu en parles, il y a un travail qui est fait à Vico avec les élèves du collège de Vico et avec l'EHPAD. Tu nous en dis deux mots, puisqu'on est là. Moi, je peux t'en dire vraiment deux mots. C'est mon ami François Méhari, qui est le directeur de l'EHPAD. Tu sais où est-ce qu'il est ? Ben oui, mais je vois peu. Viens, on va essayer de se le choper. Non, si on le trouve, écoute, attends. Je peux te dire deux mots si tu veux. Deux mots, c'est qu'en fait, je sais qu'il y a eu une rencontre entre des résidents de l'EHPAD, de Vico, et les collégiens. Autour d'un compte, il y a une vraie rencontre intergénérationnelle. Et alors, nous, Sorimouze, on n'était pas là-dedans. Hein, mais on est quand même dans cet esprit-là. C'est-à-dire que quand on va à l'hiver, souvent Bertrand vient avec, seul avec son violon, on va jouer un petit morceau au moment du repas pour les personnes âgées, mais c'est magique. Tu les vois bouger, etc. Quand on va dans les écoles, ça se passe très bien. On a fait aussi, enfin moi personnellement, j'ai assisté à deux concerts à la maison d'arrêt d'Ajaccio. On est venu faire de l'animation. Borgo aussi. C'était à Borgo. On a fait à Ajaccio deux fois. Et à chaque fois, ça marche bien. Ça marche bien. Tu crois qu'ils sont terminés là ? Parce que je n'ose pas dire dans un quart d'heure, mais bon. On essaye depuis tout à l'heure d'attendre la fin des répétitions. Puisqu'on est en direct, je vais en profiter, on va voir un peu ce que les gens nous disent. Alors, il y a Nathalie qui nous fait de gros bisous et qui fait aussi des bisous à Valérie. Il y a Jackie qui nous dit que c'est une très belle église. Il y a Isabelle qui nous dit qu'elle a le maillot jaune. Je pense que c'est un rapport avec notre ami le régisseur et sûrement en Tour de France. Et il y a Dimaggio qui nous dit bravo PA. Je vois pas ce que ça veut dire. Bon, je sais pas. C'est peut-être, PA. Je sais pas. Pierre-Antoine. Tu connais Dimaggio. Hein. Bravo PA, de rien. De rien, Dimaggio. Alors n'hésitez pas, je vous rappelle que nous sommes en direct, n'hésitez pas si vous voulez réagir, commenter, partager cette vidéo, n'hésitez pas. On va vous laisser quelques instants pour écouter donc la fin de ces répétitions entre Avilette et la formation de Bertrand Cerverin. Je ne sais pas s'ils ont terminé. Tiens, on va aller voir le régisseur. Alors le régisseur, c'est lui qui nous dit depuis tout à l'heure, dans un quart d'heure, ils ont terminé là ou non ? Non, il en reste encore 4, je crois. Encore un quart d'heure ? Non, encore 4 chants. Il resterait encore 4 chants. On va faire attention parce que dans l'église, c'est vrai que ça passe pas super bien. On nous a dit qu'il y avait quelques coupures. De très belles voix, nous dit Isabelle. Si Isabelle nous dit qu'il y a de très belles voix, c'est que peut-être... ça n'a pas coupé. Laurent, si on essayait, il est pratiquement 18h.
Si on essaie d'aller faire un tour, voir les Basques, et qu'on revienne pour ensuite terminer avec Bertrand Cervera et l'équipe d'Avillette. Bien sûr, il est d'accord. Je vais récupérer Pierre-Antoine et je reviens te voir. On va dehors. Viens chercher bonheur, Pierre-Antoine. Et voilà, on peut retrouver un niveau sonore normal. Ben, c'est vrai qu'on a un certain niveau. Hein. C'est magnifique. Moi, personnellement, je suis très très content qu'il y ait Avillette, parce qu'on s'est croisés depuis... On se connaît, hein. On s'est croisés de nombreuses années, et à chaque fois, ils étaient en concert... Ça faisait un petit moment qu'on avait envie de faire cet échange entre Avillette et Sorimouz, et on n'y arrivait pas, Tiens, puis... un Basque. Ben tiens, justement. Ben, vas-y, moi je le connais pas. On va aller l'embêter. Tu m'en vas au charbon. Bonjour. Bonjour. On peut vous embêter 10 secondes ? C'est pas grave. Nous aussi, on est en retard. Mais nous, on est en direct. On est sur les pages de Facebook de Via Steel. On est là pour faire la promotion de Sorry Musica, puisque ce soir, 21h30, il y aura le concert entre Avillette et Bertrand Cervera. Là, il y a mon caméraman qui est en train d'essayer de nous suivre. Mais juste avant, à 18h30, il y a un groupe qui s'appelle La Rune Canta. Oui, mais c'est nous-mêmes. C'est vous. Voilà, oui. Vous me présentez ce groupe en quelques mots. Oh, mais c'est un groupe qui vient de Dasque, en Pays Basque. Et on est cousins, les Basques et les Corses. Hein. Voilà, tout à fait. On a donné un concert hier soir à l'église. Et là, maintenant, on va donner une représentation à la mairie, enfin, ou sur la place. Là. Bon, je vous laisse, je vois que vous êtes en retard. Mais on viendra pendant la répète. Oui, et voilà, je ne sais pas pourquoi. Il y a toute la famille. Ça, c'est Marie-Pascal. Compagne. Laetitia, ma deuxième fille. Bonjour. Voilà, comme ça, on est en direct. Voilà. Bonjour. Alors, dites bonjour au micro. Voilà. Bonjour. Cet homme est fou. Cet homme est complètement fou, hein, je vous jure. Bon, c'est pas parce qu'il a travaillé avec Zastel hein, qu'il est fou, mais il était fou avant. Je sais pas, qu'est-ce que vous faites là alors ? Alors, on est là pour le festival, c'est pour le concert d'Avillette ce soir. Voilà. Ils sont malades. Il arrête son épouse et lui dit alors, qu'est-ce que vous faites ce soir ? Ben, ce soir, normalement, elle devrait être avec toi si tout va bien. Hein. Il est complètement malade. Elle est de Domé, ça. Ah oui, ben voilà. C'est. Prenez le passeport quand vous venez. Oui, c'est loin. Je voudrais juste au passage, puisqu'on a un petit moment de creux avec 50 voitures qui passent, je voudrais juste au passage remercier Pierre-Antoine qui m'a envoyé au charbon avec un Basque qui n'avait. Oui, il m'a répondu, mais il n'avait pas du tout envie de parler. Je ne sais pas comment il s'appelle. Le Basque est taiseux en fait. Ouais. Donc, à tout à l'heure. Hein. Voilà, je vous dis, cette. Il y a une voiture. Viens si tu veux, le teaser. Bien, oui. Voilà. Il dit bonjour à tout le monde. Cet homme est un grand malade. Bon, il a vite compris en fait que. Il peut venir, Marie-Pascal. Il a vite compris que sur Facebook on était beaucoup plus détendu. Oui, hein. Oui. Dans Falling Canson, c'était plus compliqué. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Mais enfin, c'est une expérience hein, comme une autre. Voilà, à la place Casani. Bon, tiens, puisque tu es. Non, on n'est pas encore passé en direct ici, puisque tu es un Vicolet. Deux centres-villes, je dirais. La place Casanelli qui est là, hein, du nom de Monseigneur Casanelli, avec la. Voilà, tu vois Laurent. Salut Laurent, un autre Laurent. Et en bas, la place Padrone. Donc c'est les deux centres névralgiques du Vico, qui est quand même un gros village. Hein. Casanelli, du célèbre Casanelli. Casanelli. Et la place Padrone. Du célèbre Padrone, voilà. Pour ne pas les citer. Voilà, ça commence à bouger un peu. Commence à y avoir un peu d'animation dans le village. Hein. Voilà, c'est bien. Mickey, va bien. Depuis tout à l'heure, on parle de Sorry Musica, on parle des Basques. Laurent l'infirmier. Laurent l'infirmier. Ah, bonjour Laurent. Depuis tout à l'heure, on parle de nos amis basques à 18h30. Qu'on va voir. Hein. Là-bas, il y a du blanc et du rouge. Ah, ça, bon. Sent bien, ça sent bien le groupe de Basques. Bon, et on parle bien sûr de Avillette et de Bertrand Cervera, d'accord. Oui. Mais Sorry Musica, oui. Sorry Musica, c'est 10 jours de musique, c'est près de 20 représentations. On va passer à droite histoire de ne pas se faire écraser, c'est ouais. Ça. Sinon, tu risques d'être c'est près de 20 représentations. Ça va. Bonjour. Aïe, il ne se présente pas encore aux élections, non, mais ça ne devrait pas tarder. Mais bon, c'est un scoop là encore.
Mais je sais pas à quelles élections, quelle échéance, peut-être présidentielle, on va voir. Dis-moi, si tu me vendais, en parlant d'élections et de programme, oui. Si tu me vendais un peu le programme au-delà de oui. ces premières soirées, ouais. Demain, nous irons à Lecce. Demain, nous sommes à Lecce. Mais alors, attention, à Lecce, Sanro. Robert, moi. Lecce, Sanro. Pas Saint-Martin, qu'est-ce qui se passe ben, c'est une année Saint-Martin, une année Sanro. Ah bon, parce que tu sais que là-bas, il voilà. faut faire attention. Ouais, ouais, hein. faut... Ah tiens, voilà, ils y sont. On va faire plaisir à tout le monde. On est à de temps en temps à Saint-Martin, de temps en temps à Saint-Roch. C'est ça aussi, c'est au Rimouzig, c'est une caravane qui se déplace, mais volontairement. C'est-à-dire qu'on on a parlé du projet musical qui se déplace. Et... Attention, hop là. Jean-Paul. C'est Jean-Paul qui a failli m'écraser en direct. Bonjour Jean-Paul. Puis il n'a même pas vu. Hein. Non, non. Donc là, juste une petite voilà. pause à l'ombre. Viens Laurent. Voilà. Il est en train de me dire que là, c'est le groupe de Basques. Voilà. Ben, je crois. Hein. Enfin, ils ont l'air d'avoir. Il ne les connaît pas. Non. Il ne sait pas leur prénom. Non. Et moi, il faut que j'aille au charbon en vas-y, direct. Ah ben oui, ouais. si... Non, tu viens avec moi. Vas-y, je allez, on y va. Hein. On y va. On va au charbon. Viens Laurent. On y va. Hein. On n'a pas peur. On va voir peut-être le chef de chœur. Oui, hein on va aller voir le chef ouais. de chœur. Il est en train de les placer. On va le prévenir en deux secondes qu'on est en direct. En direct pour France 3 Corse VAT, là. Je... Le monsieur, il est là. Voilà, monsieur, il est là. Yann. Je vous vole 10 secondes. Voilà, on est était... pour 10 secondes. Franchement, je vous le rends dans 10 secondes. Oui, mais... Je... Bon. 10 secondes, 10, 10. Pancho, vous inquiétez pas, on n'est pas en retard. Je suis pas partie de l'organisation, ça, c'est pour le ça. Président. Ah, président. D'accord, ah, bon. Ok. Je vous vole 10 secondes. On est en direct, on est sur VAT, France 3 Région. On fait la promotion de ce festival. C'est vous qui ouvrez le bal, en fait, à 18h30, ici. Oui. Apparemment, c'est ça. Que... Vous avez même... Allez, on va vous dire la vérité. Ils ont même commencé un peu avant la représentation, puisque hier, je crois que vous avez déjà fait un petit quelque chose. Hein. Nous avons déjà donné un concert à l'église. Je ne sais pas. Sainte-Marie. Au profit de l'église Sainte-Marie, hier soir. Et puis voilà, donc. Mais ça, c'était au profit de l'église. À, voilà. Un peu en dehors du c'était festival, dehors du même festival. Si c'était toujours dans le même cadre. Mais nous avons chanté avec plaisir. Il y avait du monde chaleureux, et donc on est arrivé ici. Nous sommes arrivés ici. Déjà, on avait une envie de venir vous voir ici en Corse. Ah bah, les Basques, les Corses, quand même. On le sait. Bon, voilà, tout à fait. Et alors, donc, on a un ami, Jean-Michel Lacan, qui fait partie de notre chorale et qui connaît très bien le maire de... François Colonna. François Colonna, le maire. Disons qu'on on le dira en basque Pancho Colonna. Parce que François, en basque, c'est Pancho. Donc hier soir, on l'a bâti par le truchement de leur connaissance, voilà, comme ils sont amis. Voilà, donc c'est ce qui nous a facilité la venue ici. Et puis c'est avec grand plaisir, en plus, comme je vous le dis. Nous, on vous découvre, là. Juste en quelques mots, à 18h30, c'est ici. On est, alors pour les gens qui connaissent un peu Vico, c'est simple, hein, vous avez la première place, on va dire en face du National. C'est ça. Juste après Padron. Voilà, place Padron, juste en face du National. C'est à 18h30, c'est la Runcanta. C'est quel style de chorale, si on doit la définir en quelques mots? Populaire, en somme, si vous voulez. C'est des chants populaires. Hein. Des chants traditionnels populaires basques. Basques, mais enfin, à quatre voix, quand même, qui sont quand même cotés, et enfin, qui sont quand même assez durs à chanter. Pas évident, mais on vous fait confiance. On va vous laisser, hein, Laurent. On va écouter. Ils vont répéter. Pourquoi vous allez répéter là de suite? Oui, mais on fait des mises en place. Ah, vous me faites une mini répète en direct d'une minute. Oui, allez. Oui, le chef. Allez, où est-ce qu'il est le chef? Le chef. Ah, le chef. Le chef. On peut vous filmer quelques secondes. Une minute, si c'est possible de faire la répète. Une minute. Ouais, 3 secondes, j'ai passé. Non, ils sont en direct. Ils sont en direct sur Internet. Si vous pouvez nous faire juste aller un tout petit morceau pour dire aux gens, voilà, ce soir à 18h30, c'est dans une demi-heure, venez tous, voilà. Il va se passer ça. Le concert, c'est à 19h. 19h. Oui, non, mais changer. Un quart d'heure près. Nous changeons, oui, je ne sais pas pourquoi. Alors, voilà, on a la chance d'être en direct, ça ne sera pas à 18h30, ça sera à 19h. Ça sera à 19h, ça sera à Vico. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, ils vont nous montrer. Vous pouvez nous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble. Je pense que c'est pas intéressant de dire qu'est-ce que nous faisons avec la musique chorale de Pays Basque. Je pense que c'est mieux que vous venir à la place de la mairie de Vico. Place Padron. Ouais. Alors, vous sortez votre conclusion, mais pas perdu, s'il vous plaît. Bon. Pas perdu. Non, on n'a pas peur. Merci. Ouais. On va essayer de voir si... On va se reculer, on vous laisse travailler. Ouais, ouais. On va voir. Oui, oui, nous on y sera aussi, bien sûr, on y sera, n'est-ce pas Laurent? Bien sûr. Voilà, on y sera tous. On vous laisse travailler. Il y a Pierre-Antoine qui m'abandonne comme d'habitude, il me laisse aller au charbon. Oui, j'ai découvert un ami aujourd'hui en direct avec vous sur la page de Viasté. Même, hein non, je parlais de toi, l'ami qui m'envoie au charbon.
donc là, écoute, pour être tout à fait honnête, et pour être tout à fait honnête aussi avec vous, hein, je lui ai demandé s'il pouvait nous faire un petit extrait. Il veut pas. Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il. Je sais pas. En fait, je sais pas s'il a dit oui ou non. Bon, on va voir. Laurent, il a pas dit. Il a pas dit non. Il a pas dit oui. Il a pas dit oui. Mais c'est pas grave. Puisqu'on est en direct, on va continuer à regarder vos réactions. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu réagir avec nous. Il y a Marie-Christine qui nous dit qu'elle est nostalgique parce que sa Corse lui manque. Eh ben, Marie-Christine, il faut venir. Ah ben oui. C'est le bon moment. Tiens, un petit aller-retour en Corse pour venir voir Sorimouzia. Pourquoi pas. Bien sûr. Et Jackie qui nous dit qu'il est vrai que les Basques sont chaleureux. Et que le monsieur qu'on a croisé tout à l'heure était un peu pressé, en effet. Que j'aimerais être en Corse avec vous, Avico. Jackie, je n'ai jamais été en Corse. Jackie, je suis désolé, je suis en train de vous bannir, hein, puisque s'il n'est jamais venu en Corse, c'est une grosse erreur. Ouais. C'est une énorme erreur, Jackie. Il faut absolument venir, surtout qu'a priori, il aime bien la bonne cuisine. Donc. Et Isabelle Sorel qui nous rappelle que Basque et Corse ont beaucoup de points communs. Et en Corse, c'est magnifique de partout. Voilà. Elle, par contre, Isabelle, voilà, elle est adoptée. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait, Laurent? Moi, je te propose... Caroline. Voilà, on dit bonjour à Caroline. Bonjour, Caroline. C'est des musiciennes, Caroline, violoniste. Ah, voilà, c'est... Voilà. Et elle est en direct. Voilà. Viens, on va l'embêter. Viens. Tiens, tiens, viens. Bonjour, Caroline, on est en direct. Voilà. Bonjour. Ben, elle va se présenter. Hein, Caroline. Bonjour, Caroline. Oh, tiens, Laurent. Attendez, je crois que je gêne, là, non? Non, écrasez-moi. Pardon, 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 pardon. Allez-y. Je suis désolée. C'est pas grave, j'ai l'habitude, écrasez-moi. Allez-y, allez-y. Je passe une petite manœuvre parce qu'ils ne vont pas pouvoir passer les pauvres pieds. Ça va, vous vous accrochez? Tout va bien? Parfait, je crois que ça va. Violoniste, et vous participez au masterclass? Oui, tout à fait. J'avais une chance sur deux. Et ça se passe quand, les masterclass? Ça commence demain. Demain jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Et ça se passe bien sûr au couvent. Au couvent. Voilà. Et c'est pas réservé qu'aux professionnels. Ah non, surtout pas. Non, non. Et vous allez vous produire aussi. Également, oui. Quand? Je crois que pour moi, le premier concert est dimanche. Voilà, avec un programme espagnol. Si le premier concert c'est dimanche, ça se passe où? Au couvent. Au couvent. Au couvent de Vico, le 24. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et le klaxon, c'est le bouton du milieu. Merci Caroline. Bon, on vous laisse partir. Ça, c'est un cadeau de Pierre-André, hein, de Pierre-Antoine. Jean, non, PA. PA, c'est devenu Pierre-André. Non, mais je connais, je suis habitué. Pierre-Antoine. Ben, je sais pas, Laurent, moi je veux bien qu'on remonte, mais j'aurais voulu. Là, il est juste en train de les placer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit aller-retour? Mais si on repart là-bas, on les entendra pas chanter, eux. Oui, ben oui, c'est Caroline. Mais moi, je la connais. C'est Caroline. Moi, je la... Elle est là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un tour au Café National? Non, j'aurais pas. Non, non. Si c'était terminé là-haut. Ah ouais, si tu veux, on remonte. Hein. Et si on attendait 30 secondes? Ils sont en train de se placer. Il y a Caroline, non? Moi, tu l'as vu déjà. Je crois qu'il y a Caroline. Non, hein. Mais tu l'as vu déjà. Oh, Caroline, Caroline. Non, mais Ferrer. Ah oui, on l'a déjà. Bon, ouais, bon, ouais. C'est vrai que ce soir, il y a beaucoup de monde de France 3 ici. Hein. Ouais. Bon, Café National, par exemple, c'est une institution. Ah bah c'est François. C'est François, mais avant François, c'était la famille Mercouri pendant des années. Et ça a été vraiment le lieu de passage, mais ça a plus de 100 ans. Hein. Vous le voyez, il est juste là. C'est Laurent, il est là. On est en train de parler du Café National. Voilà, je disais que c'était vraiment une institution de Vico. Hein. Il y a des cartes postales qui datent d'une centaine d'années avec les diligences devant. Voilà, tout ça, c'est une maison familiale, la maison Colonne. Et puis voilà, maintenant, il y a la pharmacie, il y a la banque populaire. Il y a la poste, c'est un village qui bouge quand même. Hein. Attention, il y a le monsieur, il y a le chef d'orchestre. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le chef d'orchestre? Il est en train de positionner les basques, mais... En fait, c'est vraiment... Ouais, c'est des amateurs éclairés, hein, parce que c'est du sérieux. Hein. C'est du sérieux. Hein. Non, il ne veut pas. Il veut pas. On fonce? Bah, comme on retourne vite à Sainte-Marie? Allez. Laurent, je suis désolé. Hein. Ah, ben bah, écoute, hein. On retourne à Sainte-Marie. Allez, toute la famille. Toute la famille Béret, tu remontes? Oui. On va aller sur le trottoir, Laurent. Hein. Merci. On vient de croiser.
Alors pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant, oui, je suis là. Pour ceux qui nous rejoindraient, on est toujours en direct, on est toujours à Vico et on est toujours là bien pour vous présenter le festival Sori Musica, 14e du nom. Voilà quelqu'un. Tiens, ah. Il va me présenter le village Marcel, entier. Marcel, viens. Marcel, viens, oui, on est en direct, viens, non, tout va bien. C'est pour Facebook, viens. Alors voilà, Marcel, c'est la cheville ouvrière du festival qu'on ne voit, qu'on ne voit nulle part sur les médias et qui fait tout. Alors c'est quelqu'un qui habite au village toute l'année, à Nez, juste à côté. Ouais. Et qui s'occupe de Sori Musica depuis 14 ans. Alors, elle a beaucoup de choses à dire, et je voudrais qu'elle dise. Non, Marcel, fais-nous plaisir. Il recherche justement. C'est ce qu'il recherche. Les gens qu'on voit pas toujours. Les gens qu'on voit pas toujours. C'est justement parce qu'ils veulent rester dans l'ombre. Dans l'ombre. Mais nous, voilà. Bonjour. Non, mais dis-nous un peu ce que tu fais au sein de Sori Musica. Moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est administratif. Voilà, logistique, réservation. Tous ces gens-là qui sont dans l'ombre et sans lesquels on ne pourrait jamais rien faire. Exactement. Voilà. Exactement. C'est bien beau, entre nous, hein. Les Servera et compagnie. Ils sont là, ils se montent un peu la sec sur scène. Mais si on n'était pas là. Il y a Maxime qui vous regarde de travers. Mais non, en plus, c'est le fils de Bertrand. Mais si on n'était pas là, nous, les petites mains, on ne pourrait pas faire les festivals. Ah non, mais il en faut partout, des petites mains. Merci. Partout. On ne va pas l'embêter plus longtemps. Voilà. Mais on la remercie parce que c'est aussi grâce à ces gens-là, ces gens de l'ombre, qu'on arrive à faire cette manifestation. Caroline ? Allez. Comment on en arrive ? Venez. Comment on en arrive à connaître ce genre de personnage ? Et comment on arrive à participer ? Non, surtout comment. On ne regarde pas à la fin, finalement. Moi, je commence à regretter un petit peu, pour être tout à fait honnête. Comment on en arrive à participer à ces masterclass ? Et oui, on est au milieu de la route. Tout simplement, quand on a envie de transmettre notre métier qui est la musique et cette passion qui nous habite depuis des années, depuis le plus jeune âge. Et tout simplement, donc après, ce qui est intéressant, c'est de faire découvrir la musique à ceux qui n'ont pas forcément accès. Donc Mais pourquoi ici particulièrement ? Ah bah parce que c'est un petit peu reculé par rapport aux endroits habituels. Excuse-moi, Laurent, décale-toi, tu vas te faire écraser dans 10 secondes, je te promets. Là, ici. Va dans la rigole. Dans la rigole. Voilà. Bah justement, ce sont des endroits un petit peu décalés par rapport aux endroits habituels où on a beaucoup de concerts de musique, des conservatoires, etc. Et vous, on va un petit peu chercher les gens là le où ils n'ont pas forcément. Le violon et vous, depuis ? Depuis l'âge de 9 ans, c'est pas très très tôt, hein. C'est pas très très tôt, 9 ans, mais, c'est voilà. C'est pas très très tard non mais plus. Mais la musique depuis toute petite. Je suis née dans une famille de musiciennes et j'ai pas pianoté avant de prendre le violon dans les mains. Et votre relation avec Sori Musica, c'est qui c'est qui vous a entraîné ? C'est un petit peu Bertrand Servera. Toujours lui, hein. Il est à chaque fois qu'il trouve quelqu'un. Ah oui, là, il est partout. Là, il est partout, on le suit, on le lâche plus. Voilà. Oui, viens, mais viens. On est en direct, profite. Venez, on continue. Quand je vous ai dit que c'était une sortie familiale, alors il y a tout le monde. Comment tu t'appelles ? Maxime. Salut Maxime. Toi aussi, tu aimes la musique ? J'adore. Eh oui. Ton papa, c'est qui ? Bertrand Servera. Ah ben voilà. Et quand tu seras grande, tu vas faire quoi comme... Oh, pardon. Oups. Oups, merci, sympa. Toi, tu me préviens pas avant, il fait quoi ? Je sais pas, quel est du coup de quoi ? Ah ben bravo. Du bignou. Du violon. Ah. Tu manages depuis longtemps ? Tu t'en sors bien au violon ? Oui. Ça fait combien que tu en fais ? 6 ans. Et tu as quel âge ? 10 ans. Vous avez commencé super vieille, le violon. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. Voilà. Elle a commencé à 9 ans. C'était presque la fin de sa carrière. Exactement. Et sinon, vous aussi, avec toute l'équipe de Bertrand, vous produisez tout au long de l'année. Exactement, oui. En orchestre de chambre, à géométrie variable. Donc voilà, un petit peu partout. Et comme lui, la passion de l'échange et du mélange avec d'autres musiques, avec d'autres styles, comme disait notre ami... Tout à l'heure, notre ami PA, comme on l'appelle dans le quartier tout à l'heure, ça a commencé avec l'envie de faire la bringue entre musiciens. C'est pas ça, vous c'est beaucoup plus sérieux, à 9 ans. Non, je vais vous décevoir, c'était vraiment ça. Plus que lui, vous n'arriverez pas à me décevoir. Viens ici, toi. Allez, viens, on remonte à l'église. Alors, c'est notre troisième passage. Laurent, tu tiens bon ? Non, hein. Laurent, il tient bon ? Oui.
Bravo Laurent. Troisième passage dans l'église Sainte-Marie, en l'église Sainte-Marie. Et normalement, si tout va bien, la répète est terminée. Bon, c'est là qu'on voit le plus sérieusement le perfectionnisme des acteurs, si tu veux. Tant que c'est pas, il lâche rien, quoi. Il lâche rien. Non, mais on est très détendu, etc. On plaisante, on magagne, et c'est bien, c'est sympa. Mais quand il s'agit de boulot, de musique, etc., c'est très très pointu et très. Bon, pour être tout à fait honnête, on a assisté aux répétitions. Honnêtement, c'est un niveau assez exceptionnel. Et là, instinctivement, on baisse la voix. Tiens, là, on n'est que sur le classique. Tiens, il y a le maire du village. Est-ce que vous aussi, comme tous les musiciens, quand vous dites on en a encore pour un quart d'heure de répète, il y en a encore pour trois quarts d'heure comme Bertrand? À peu près c'est peu ça. Près, d'accord. Voilà. C'est la règle. C'est je vous remercie. Bon, Maxime, j'ai un problème. On ne peut pas quantifier la musique, c'est impossible. Maxime, j'ai un petit souci. Là, nous, il faut qu'on aille rencontrer papa et papa, il fait encore de répète. Comment on fait? Est-ce que tu crois que je peux monter sur scène et le couper et lui dire bon, maintenant, il faut que tu t'arrêtes? Non. Non, hein. Il n'apprécierait pas trop. Hein. C'est pas quand il est sur son violon, on n'a pas trop le droit de l'embêter. Hein. Ça dépend. Oui, il y a toi qui as le droit. Voilà, lui, il a le droit, d'accord. Pas nous. Non. Ouais, mais on va éviter. On va aller voir, tiens, on va aller rencontrer Laurent, si tu veux bien. Avec Pierre-André. Bon, je l'appelle comme j'ai envie. J'ai envie de l'appeler Pierre-André. Bon, ok, il s'appelle Pierre-Antoine. Et puisqu'on parle de prénom... Puisqu'on parle de prénom, je voudrais m'excuser auprès de Pierre-Antoine. Je voulais m'excuser auprès de Pierre-Antoine que j'ai appelé Pierre-André tout à l'heure. Par contre, je ne me tromperai pas avec le prénom de monsieur qui s'appelle bien Pancho, comme on me l'a dit. Pancho, absolument. Pancho Colonna, absolument. Pancho Colonna. Alors, monsieur Pancho Colonna, maire de... Maire de Vico, c'est ça, voilà. Mais aussi, peut-être maire... Pancho Dominique, exactement, voilà, voilà. Peut-être maire aussi de... D'Askens, voilà, c'est ça. La ville d'origine du cœur des cœurs basques. Ouais. Je vais me faire crier. Il y a Bertrand Savera qui vient de nous regarder méchamment de travers. On va s'éloigner un peu. Oui. Oui, j'en ai profité pour m'essuyer. Laurent Simon-Paul est toujours avec nous. Un peu plus sérieusement, monsieur le maire, bonjour. Bonjour, très heureux. Merci de nous recevoir, mais surtout merci de recevoir aussi tous les ans cette manifestation depuis 14 ans. Vous y avez cru, vous aussi, au début? Parce qu'au début, il y a toujours beaucoup de gens qui se sont dit... Non, toujours cru. C'est un peu fou, quand même. Toujours cru, parce que quand on l'a initié, je peux dire, je ne fais pas partie des initiateurs, je ne voulais pas enlever la paternité à Vincent de cette manifestation, mais tout de suite, je lui ai donné non seulement mon accord, mais mon soutien, parce que je pense qu'il est très très important pour toute la micro-région, je dirais, qu'on puisse diffuser une si belle musique, avec un tel engouement, attirer autant de monde, puisque les gens aujourd'hui prennent leurs vacances en fonction du festival. Et que même économiquement, il y a des retours. On parlait hier justement de tourisme culturel. Là aussi, c'est du tourisme culturel. Oui. Pour vous donner une idée quand même, vous voyez ces grandes portes, oui. Les portes de l'église de Sainte-Marie. Oui. Ce soir, on va les ouvrir. Et il y a du monde qui va arriver en gros, tu vois Laurent, le monde, il va arriver en gros jusque là.
on va accueillir pratiquement aux alentours de 500 jusqu'à 600 personnes. 600 personnes. L'église telle qu'elle est aujourd'hui équipée, il y a 500 places. Donc vous verrez bien qu'on va largement aller au-delà des 500 places. C'est pour ça que vous avez un stock de fauteuils à la fond de l'église, justement pour que les gens puissent les récupérer et s'installer, même à l'extérieur. Voilà. Le fait d'inscrire ce festival, non seulement dans la ruralité, mais au sens le plus large du terme, puisqu'on est vraiment sur Rennes, on est sur Sceaux, sur toute la micro-région. Et de Sceaux. Et de le faire, pas uniquement en été. Ça aussi, c'est une démarche qui vous a accroché dès le début, se dire même l'hiver, il y aura quelque chose. Même l'hiver, il y aura quelque chose, parce que l'hiver, on a besoin de quelque chose, tout simplement. La culture n'est pas réservée à ceux qui viennent l'été. Donc c'est pour cela qu'avec Bertrand, il a initié ces deux, et que je l'ai suivi, les deux festivals d'hiver et de printemps, et qui marchent très bien, avec le même engouement, bien évidemment. Et nous espérons aller plus loin, ça c'est une autre histoire. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il y a d'autres projets qui se construisent. J'ai l'impression qu'il y a... Je crois que c'est terminé. Je vais vérifier si j'avais terminé. Alors, il y a Paulin. Martin. Je vais y arriver. Pierre, Antoine, tu vérifies vite fait s'il a fini la répète. Tu me fais un signe et on te rejoint. Merci. Bon, nous, on va rester ici. Alors, tiens, puisqu'on a commencé à parler du programme, alors je vous rappelle que les Basques qui ont rebaptisé Monsieur le maire hier soir seront bien... C'est la traduction de François Pancho, donc voilà, je l'ai appris hier soir. Donc... Ben, ça tombe bien parce que celui qui vous a rebaptisé, il s'appelle Pancho. Il s'appelle Pancho, c'est le président de l'association. C'est le président de l'association. Le cœur d'Asquin. Ouais. On a essayé de leur voler un petit moment de répète. Et oui. Il a dit non, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il faut venir. Et par contre, je vous rappelle que ça a été décalé, c'est pas 18h30, c'est 19h, donc il vous reste 3 quarts d'heure pour venir jusqu'à Vico. Et il vous reste un peu plus, puisque le concert de Abidette, ça sera 21h30. C'est ça. Et oui, on a toutes les informations, monsieur le maire. Voilà. Tiens, allez, vous me faites le programme demain. Si demain, vous voulez voir de la musique... Ah oui, il faut mettre les lunettes. Moi, je tends le bras, chacun son truc. Ils sont plus assez longs, moi. Demain, vous êtes allé à Saint-Roch. Saint-Roch, et je vous rappelle que concernant Lech, une fois on fait Saint-Roch et une fois on fait Saint-Martin. Absolument. Comme ça, tout le monde est content là-bas. L'ouverture est assurée, justement, par Haroun Kanta. Haroun Kanta. Non. On baisse. Encore 10 minutes. Sur la fin de la répète. Non, parce que depuis tout à l'heure, on dit un quart d'heure. Est-ce que Laurent peut me dire depuis combien de temps on a commencé ce direct? Ça fait 40 minutes. Ça fait 40 minutes qu'on nous dit dans 10 minutes. Voilà, ouais. C'est comme chez le coiffeur. T'en vas pas. On fait le programme avec monsieur le maire. Viens. Tu crois que tu vas t'en sortir? C'est toi qui m'as dit dans 10 minutes. Ça va que maintenant tu vas m'aider jusqu'au bout. Donc demain, nous sommes à Laetitia Saint-Roch. Et nous écoutons. Nous écoutons du Bach avec un altiste d'origine allemande qui joue dans un très grand orchestre d'Amsterdam. Et c'est une première, il va venir pour la première fois. Je l'ai croisé hier et c'est bien sympathique. On fait des rencontres internationales et nationales et locales, toujours très sympa. Après demain, ça sera à Rennes. Et à Rennes, où il y aura? Alors, à Rennes, où il y a de la guitare avec Emmanuel Ross. Avec? Ah, je n'ai pas le... Avec? C'est très tôt, à l'âge de 5 ans, je crois, donc je me souviens plus le nom. Agnès Rosfelder, voilà, qui est déjà venu en Corse plusieurs fois et qui connaissait Bertrand de longue date. Et on lui a demandé s'il était OK pour venir et il vient nous voir. Et c'est la guitare, c'est un peu nouveau pour nous parce qu'on n'en a pas fait. On en a fait un petit peu. Piano-violon, ça faisait un petit moment. Voilà, que... Mais là, c'est une nouveauté en guitare, je dirais, comme... Voilà. Oui, la percussion, ici en Corse... Le 24, le lendemain de Rennes, le 24, mais on va au point central. Je vous rappelle, le point central, c'est un peu le... C'est le siège. Le siège de leur association, c'est là où ils logent, c'est le couvent de Vico, tout simplement. Le couvent Saint-François. Le couvent Saint-François, le couvent de Vico. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Vico, quand vous arrivez dans Vico, il y a un endroit, il y a deux solutions. Soit vous faites trois manœuvres, soit vous tirez un frein à main. Et en ce moment, il vaut mieux faire trois manœuvres et vous allez direction le collège. Et puisque j'y suis, tiens, moi aussi je fais mon petit message perso, je ferai de gros bisous à tous les enseignants et à toute l'administration et aux élèves, même si je ne les connais plus, du collège de Vico, où j'ai enseigné pendant 6 ans. 6 ans? Eh oui, cher ami. Et alors, tu as m'en souvenir ou... Voilà, on continue. Couvent de Vico, ça sera le 24. C'est l'enseignement. Non, on ne se lasse pas. Après, on a d'autres amours. Le 25, on sera à Piane. Alors oui, Piane, c'est à 18h. On essaie d'étendre les manifestations, puisque maintenant le nouveau canton a 33 communes, la communauté de communes 33 communes. On essaie également de faire profiter les villages voisins, donc c'est Piana et Hatsan à cette année.
en avant-concert à 18h, un petit concert pour les sensibiliser. Et leur alors, en gros, on va les prendre à Piane vers les 18h. Ouais. Et puis, on les emmène à Mourthe à 21h30. Et là, ça sera. Alors là, c'est du lyrique, soirée lyrique. C'est ça qui est intéressant aussi dans la programmation, c'est qu'elle est variée. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on fasse jour par jour, mais c'est vraiment varié. C'est-à-dire qu'on a du lyrique, on a du cinéma. Bon, allez, je vous le fais vite fait. Après, bon, il vous dira. Oui, on a. Oui, monsieur le maire, je vous laisse, vous êtes demandé, c'est ça? Ah, il y a quelque chose à dire. Il faut déplacer les véhicules. Voilà, oui, la sécurité sera assurée, on déplacera les véhicules. Voilà, comme ça c'est dit, vous serez à Piane, à Mourthe, à Sochi, à Saredorchine, à Vico, au couvent de Vico, on y retourne, à Adzane, vous l'avez dit, à Kodja. Et on terminera bien entendu le 30 juillet, au bout de 10 jours, au couvent de Vico, et ça sera le final avec... je plaisante. Ah ben avec tout le monde, en fait, notre final il est sympa parce qu'on fait participer les stagiaires, les professionnels, les gens de métier, tout le monde. Et c'est vraiment une kermesse, je dirais, de qualité. Et surtout une soirée de soutien. C'était à ce moment-là, c'est la seule soirée où on demande un billet. Alors je rappelle que toutes les soirées sont gratuites. Toutes les représentations sont gratuites. Ça n'empêche qu'on peut, des fois, il n'y avait pas des histoires de petites collectes qu'on faisait à un moment donné. Les gens veulent déposer, il y a un panier. Et si les gens veulent déposer, ils déposent, mais il n'y a aucune obligation. Mais la dernière soirée, on demande une participation. Elle est de... Oui. C'est 20 euros et gratuit pour les enfants, hein, bien sûr. Et le but de tous les fonds, bien entendu, servent à l'association pour réorganiser, parce que c'est quand même un budget. Dans la cour du couvent, sachez qu'il y aura aussi le maître glacier Pierre Girolimi, à qui on fait un coucou, puisque... Oui, en passant, on s'est arrêté de dire bonjour à Pierre Girolimi. Vous avez arrêté en revenant. Et il y aura aussi notre collègue Diana Salicette, à qui on fait de gros bisous. Voilà. Qui va jouer avec un ensemble symphonique. C'est ça qui va être sympa. C'est-à-dire qu'elle nous a envoyé, enfin pas à moi, parce que je serais bien incapable, mais elle a envoyé à Didier Bennett, qui fait les harmonisations, à partir de sa chanson, de son texte, je sais plus que c'est au Mio Baez, je ne sais plus quel titre, il a fait une harmonisation pour orchestre à cordes, et elle va jouer avec un orchestre à cordes. Ça va être sympa. Et ça, c'est le final, c'est le 30 au couvent de Vico. On parle un tout petit peu, si tu veux bien, des masterclass, des cours, parce qu'on l'oublie pas, c'est une autre partie de Sorry Musica, moins médiatisée, c'est vrai, mais tout aussi importante. Tout aussi importante. Ben, dès le départ, il y avait cette volonté. Quand on dit volonté de partage, bon, on entend souvent, mais on est dans la transmission. Parce qu'il faut savoir qu'un garçon comme Bertrand, bon, on est tous plus ou moins des anciens profs, c'est comme ça, hein, moi. Et ça mène à tout. Hein. Des anciens et de futurs pros, ça c'est vrai. Mais aussi on a un public d'amateurs éclairés. Et aussi dans nos masterclass, dans nos stages, masterclass un peu pompeux mais c'est le cas, on a aussi... Comme aussi ça, premier violon, tu peux un peu te la péter aussi, tu vois, on peut dire c'est masterclass. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi, donc il y a du violon, du violoncelle, de l'alto, mais il y a aussi du chant choral, il y a aussi un atelier de polyphonie, aussi un atelier de violon traditionnel corse, ça on y tenait aussi, parce que l'idée c'est vraiment un projet autour de la musique, mais sans barrières et sans frontières. Franchement, et c'est vraiment la vérité. Et si vous avez l'occasion, une prochaine fois, de revenir, parce que les masterclass commencent demain, vous allez voir, c'est une espèce de bouillon de culture musicale. Et c'est vraiment sympa. Des petits, des jeunes, des vieux, des grands, des pros. Et monsieur le maire qui veut la main. Non, juste intervenir pour compléter les propos de Pierre-Antoine, pour dire que les tout premiers masterclass, il y avait disproportion entre les locaux et ceux qui venaient du continent. Et d'ailleurs, puisqu'on a eu des gens du monde entier, aujourd'hui, la majorité sont des Corses. La majorité de nos étudiants sont des Corses. Donc on a réussi quand même à montrer qu'à Vico, on pouvait aussi attirer de jeunes Corses, de jeunes talents Corses, ou des gens qui voulaient se parfaire, je dirais, dans leur discipline. Et aujourd'hui, les Corses sont majoritaires. Comment se fait la sélection pour ces masterclass? On peut encore s'inscrire? Là, c'est trop tard pour cette année? Là, c'est trop tard. Par contre, on invite franchement les gens du village et du canton, s'ils veulent, par exemple, chanter, il y a la chorale qui est menée par Françoise Arrigue et l'atelier de polyphonie de violon traditionnel qui est mené par Laurence Félix qui est très ouvert. Hein. Je pense que s'ils veulent venir, il n'y aura aucun problème. Ils peuvent venir, se produire, venir un moment, écouter, etc. Prendre une guitare. Ça, c'est vraiment très ouvert. On fait ça sous le tilleul. Sous le tilleul. Oui, c'est sous le tilleul. Tout le monde connaît. Quand vous arrivez, alors là, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais encore la route. Si vous voulez aller au couvent, alors là, il y a deux possibilités. Juste après la gendarmerie, vous prenez la première à droite. Et on arrive directement au couvent, c'est ça?
hein. Quand vous arrivez d'Ajaccio, absolument. Ouais. Et sinon, si vous descendez jusqu'au village, vous allez jusqu'au village, vous prenez l'épingle, vous dépassez le collège, vous dépassez ou Paradis, et vous arrivez de toute façon, tous les chemins mènent au couvent. Pour cette année, c'est trop tard. Pour l'an prochain, si on a envie de s'inscrire au masterclass. Il faut s'inscrire. Vous regardez sur notre site internet sorimusica.course. Et tout est inscrit. Et sur la page Facebook, bien entendu. Sur la page Facebook, et tout est inscrit. Mais surtout, ce que je voudrais dire, on ne va pas parler de message, mais c'est venez au concert et n'ayez pas peur de venir au concert. Pourquoi ? Parce que souvent, et moi le premier, il y a quelques années, on se dit il y a un concert classique, entre guillemets. Et on se dit il y a une image un petit peu ou élitiste, ou quelquefois même un peu poussiéreux, un peu pompeux, un peu, on se dit c'est pas pour nous, c'est pas populaire. Voilà. Les grandes... Et en fait, on est vraiment dans le contraire de ça. C'est de la qualité, vous l'avez entendu tout à l'heure. C'est du haut niveau, et oui, ça reste c'est du haut niveau. Mais ça c'est reste pas parce que c'est haut niveau que c'est. Au contraire, excluant. Je serais tenté de dire même au contraire. Sur Vico, des exemples très importants de gens qui ne connaissaient pas du tout la musique classique, pas du tout. Je dis pas la grande musique parce que ça plairait pas à Bertrand. La musique classique, qui maintenant sont des adeptes, ils font les 10 jours de concert. Partie, j'entends plus de répète. Leur culture, voilà. Ah, on y va. Non, mais là, on peut plus. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Pancho Colonne, monsieur le maire, à bientôt. Oui, on est les bienvenus à l'apéritif, mais vous savez que c'est toujours avec modération. Comment presque ? Non, mais ça fait 50 minutes que... Moi, je m'en fous, je vais embêter Dominique. Dominique, qui ? On peut aller embêter Jean-Claude Aquavive. Allez faire Jean-Claude, comme vous dites. On va faire Jean-Claude, merci Dominique. Mais sans faire de bruit, hein, Laurent. Tu sais que Bertrand servira. Désolé, je t'emmène un peu avec moi, parce que tout à l'heure j'ai parlé un peu fort à côté de Bertrand Cervera. Il a un regard assez, comment dire, pénétrant. Il t'a fait comprendre que tu l'emmerdais. En quelques mots, oui. Je vous rappelle qu'on est en direct, donc comme vient de dire Jean-Claude. Et il y avait un jeune garçon qui me regardait. C'était un certain Maxime, je ne sais pas si tu le connais. Bon. Tu ne connais pas Maxime, Maxime. Oui, Oldie. Hein, le fils de... Bien. Il te connaît, tu le connais pas ? Non. Tu lui dis bonjour, je m'appelle. Bonjour, je m'appelle Maxime. Et Maxime, je suis ? Fils de Bertrand Cervera. Voilà. Ah, tu es le fils de Bertrand. Et toi, tu es sa fille ? Non ? Non. Non. Tu es le fils de Bertrand. Toi, tu es la fille de ? Pierre-Antoine Bérec. Tu l'as fait de Marie-Pascal, oh putain, évidemment. Je te vous disais depuis le début que c'est une histoire de famille. On est en direct, on est avec monsieur Aquavive Davilet. Il est en train de faire l'interview de Maxime. C'est ça. Il y a les Basques qui commencent. Et puis ensuite, c'est Davilet et Bertrand et sa formation qui ouvrent vraiment les hostilités de cette 14e édition de Sorim Musica. Ça faisait longtemps que j'avais envie avec Davilet de venir ici, hein. D'abord, c'est un festival remarquable, premièrement. Il y a beaucoup de militants. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire quelque chose parce que, voilà, parce que nous-mêmes, on a travaillé avec des musiciens classiques, parce qu'on peut s'insérer dans leur dispositif, etc. Et puis, on avait envie de le faire parce que, voilà, c'est un... Encore une fois, c'est une belle initiative. En plus, moi je suis marié. Ma femme est en partie origine de Cristina. Tu es à 15 km. Hein. Enfin, il faut un passeport pour la Cristina Chilevico, tu le sais. Oui, ça va. Bon, il y a le col à franchir. Je te cite quelques mots. Ne l'oublions pas, la musique n'a pas de frontières, elle n'a pas de nationalité, pas de passeport et pas de couleur. La musique est la résonance et le miroir de nos âmes, quelles qu'elles soient,
faisons en sorte qu'elle soit la plus belle possible. Bertrand Cervera. Mais j'adhère à 2000%, évidemment. La musique n'a pas de couleur, elle n'a pas de... Elle est, nous on l'a vu, on l'a vérifié, et on le dit à longueur d'année que, en fait, on s'est définitivement débarrassé de l'idée que nous étions des gens tout à fait particuliers, tout à fait uniques. Je veux dire, partout dans le monde, il y a des expressions qui se ressemblent, qui ont en tout cas les mêmes intentions, c'est ça l'important, c'est l'intention des hommes, c'est-à-dire créer du lien, c'est créer, faire circuler une énergie, et tout ça c'est de la musique. Bon, après, quand on arrive à un certain niveau, c'est bien beau de dire l'échange, le partage, comme disait Pierre-Antoine tout à l'heure, ça a commencé... Non, Pierre-Antoine, pas Pierre-André, tu arrêtes, hein. Pierre-Antoine le disait tout à l'heure, ça a commencé avec l'envie de faire une bringue, une sborgne entre amis. Là, on vous a vu répéter tout à l'heure, on n'est plus dans la notion de sborgne et de bringue entre amis. Là, c'est du très haut niveau quand même. Vous avez juste balance, parce que c'est la première fois que vous répétez, vous avez juste échangé des partitions avec Bertrand. Vous vous êtes retrouvé cet après-midi et la vache, ça colle de suite. Alors, ça me fait plaisir que tu dises ça, parce qu'en fait, c'est souvent ce qu'on nous reproche à nous à Villette, c'est-à-dire qu'on nous reproche, je dirais, d'avoir fait évoluer notre musique qui est effectivement plus écrite que ce qu'elle était à l'origine. Bon, en même temps, quand tu passes par l'écrit, évidemment, tu peux communiquer plus facilement avec des musiciens, quels qu'ils soient. Bon, là, ces musiciens-là, c'est la première fois qu'on les voit, on a travaillé une heure avec eux. On leur a envoyé des partitions, ils ne les ont même pas ouvertes, hein. Ils les ont jouées là, ce sont des lecteurs parfaits. Et évidemment, après, tu te trouves, ça fonctionne, parce que ça a été écrit pour, parce que ça a été pensé pour, parce que l'architecture est suffisamment claire, je dirais, pour que les échanges se fassent et qu'ils se fassent vite. Ça, je crois qu'il a terminé. C'est on y va, on essaie de le rejoindre. Vas-y, vas-y. Viens avec nous. Mais parce que c'était quand même, j'avoue... C'était... Tiens, je vole le petit. Si j'ai le petit avec moi, autant le père ne m'abandonne pas. Voilà. Tout le groupe, tiens, on a pratiquement tout à Villette avec nous. Je disais, qui j'embête? Tiens, lui. Parce que c'est le plus petit. Mais le plus méchant aussi. Je disais, c'est impressionnant. Vous avez échangé juste des partitions avec Bertrand. Et de suite, ça accroche. Et on est des pros, on travaille avant. Hein. Vous avez eu la réponse d'Aquavive et la réponse. C'est avec beaucoup d'humilité. Jean-Claude est très démago, moi non. Nous, on est pro. Moi, on est pro. Il n'y a pas de tortillé. Tu m'inspires, Yann. Il a fini la répète, Bertrand, quoi. Non, oui, je pense, oui, ils ont fini là. Tu connais son fils? Je présente non. Tout le monde. Mais tiens, je te présente le fils, Maxime. Chanté. Comme ça, tu connais tout le monde. Je joue à côté de papa ce soir. Enfin, je chante à côté. Bon. Tu viens, on essaye d'aller voir papa. On va essayer de trouver papa. Ah, le voilà. Je l'ai volé. Je me dis que si, comme on est en direct, si j'ai le fils, autant je le perds. Tu viens, Laurent. Où est-ce qu'il est? Tu sais où est-ce qu'il est? Non, je sais pas. Il doit être dans la loge. Il doit être dans la loge, là. Moi, je me suis dit... Voilà, je me suis dit, si j'arrive à séquestrer le fils, avec un peu de chance, on aura le père. Cher ami, depuis le temps, ça fait un moment, hein. Moi, j'ai pas changé. Comment se fait-il que quand un musicien, certes de haut niveau, de très haut niveau, vous dit, j'en ai encore pour un quart d'heure de répète, nous sommes en direct sur Viastel depuis 45 minutes. Oui, parce qu'en fait, on cherche le parfait, bien sûr. On dit Jean-Claude. Hein. Voilà, et donc on cherche tellement le parfait qu'on ne le trouve jamais. C'est ça l'astuce. Et donc voilà, à l'arrivée, du coup, on a répété. Je voudrais vraiment te remercier parce que grâce à toi, comme tu nous as fait patienter durant 45 minutes, j'ai eu la chance de rencontrer le fiston, bien sûr, mais aussi toutes les personnes qui travaillent un peu dans l'ombre. Alors j'ai oublié les prénoms, il y avait la dame Marcel, Pierre-Antoine, Dominique, Oui, Pierre-André, merci. Je me suis trompé une fois, il ne me fait pas de cadeau. Il y avait aussi le régisseur,
avec lequel tu as l'habitude de travailler. Nicolas. On a eu le temps d'interviewer tout le monde et on finit avec toi. Oh là là, c'est une chance. Dis-moi, juste pour faire le lien avec ce que je disais avec Jean-Claude, ça faisait longtemps qu'à Villette, tu avais envie de participer à cet événement. Et puis, des histoires de calendrier. Non. Oui, tiens, moi je vais m'asseoir. Tiens, Jean-Claude, Ben. Je nous prépare un petit plateau télé comme avant. Viens, viens, moi je m'en prends une aussi. Hop, voilà, il n'y a que le caméraman qui restera debout. Pendant que notre ami dit des secrets à l'oreille, je disais avec Jean-Claude à l'instant, il peut rester, c'est la bonne ambiance. Vous avez échangé des partitions. Oui. C'est la première fois que vous répétiez ensemble. J'étais là, aux premières notes, et de suite, je dis putain, ça marche, ça se mélange bien. Comment ça s'explique ça? D'abord, c'est l'écriture du compositeur. Donc, déjà, nous, notre rôle, c'est d'être interprète. Donc, on interprète de la musique d'un compositeur. Donc, on fait ce qu'il a écrit. Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir la première lecture et après la deuxième, après la troisième. D'où le travail. C'est-à-dire que la première lecture, on se découvre. Après la deuxième lecture, on fait quelque chose de professionnel, bien en place. Et à la troisième, on commence à écouter l'autre. Vraiment, en se disant, comme dans le morceau où Jean-Claude chante en voix principale, et il fait à la troisième écoute, il peut être plus libre, alors qu'à la deuxième lecture, il fait dans les clous. Moi, je fais ce qui est marqué. On s'écoute bien sûr parce que c'est notre métier, mais et la troisième, tout d'un coup, lui va nous écouter, donc on va se suivre, et en fait, on va avoir l'impression de jouer pour l'autre, et chacun joue pour l'autre, et c'est là. C'est là que ça devient intéressant, en fait. Il y a une vraie écoute. Donc, l'idéal... Alors, c'est vrai que, comme dans tout, Bertrand, à la première fois, des fois, on se cherche un peu. Oui. Mais là, vous n'êtes pas cherché. Après, vous évoluez encore plus. Mais d'entrée de jeu, ça fonctionne. L'écriture seulement ou c'est l'idée qu'on se fait de l'échange? Comme je te disais tout à l'heure, je pense que le simple fait que tu poses la question... Je pense que ça vient du fait que nous avons un rapport ici, en tout cas encore, à musique écrite, qui est un peu compliqué parce qu'on est d'une tradition orale et qu'on se dit, merde, comment ils font aussi? Si tu trouves un lougousier, c'est pas si facile. Bon, l'écriture, c'est un langage commun qui fait que, qu'on peut vite communiquer. Je veux dire, voilà, il y a ce fait qui est évident. Après il y a l'envie de bien faire, l'envie. Ça c'est quand on se met à travailler, qu'on essaye de mieux comprendre, de mieux s'écouter, etc. Mais d'emblée, ce qui permet, c'est évidemment l'écriture. Ce qui ne veut pas dire, attention, hein, parce que là, il faut être prudent, il faut peser tous ces mots. Je ne suis pas en train de dire que la musique écrite est mieux que la musique qui ne l'est pas. Ça n'a rien à voir. Je dis simplement que c'est un moyen de dialoguer qui est beaucoup plus rapide, c'est tout. Je veux dire, si demain on parle la même langue et qu'on se met à une table, on va parler plus vite de sujets de fond que si toi tu parles une langue et moi que j'en parle, et que j'en parle une qui est tout à fait différente. Normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la musique non écrite, il y a une pulse, une pulsation. Et c'est sur cette pulsation qu'est écrite la musique écrite. Donc c'est cette pulsation, à l'arrivée, le compositeur, c'est une barre de mesure. Donc on a l'impression que c'est une prison, c'est-à-dire qu'il y a des barres de mesure à l'intérieur. Mais en fait, ce n'est qu'une pulsation. Et cette pulsation qui ne bouge pas. Et en fait, dans la musique traditionnelle, quelle qu'elle soit, on s'aperçoit qu'il y a une pulsation qui ne bouge pas. Même si on a l'impression que c'est un mélisme et qui dure, mais la pulsation, elle peut durer, ça peut être une pulsation d'une minute. Donc c'est une barre de mesure qui va durer une minute. Et à l'intérieur de cette pulsation, on est libre. Donc à partir du moment où on comprend que la musique écrite, c'est une liberté à l'intérieur de la pulsation, mais qui est naturelle, c'est une respiration. Quand on parle... Quand un comédien, surtout qui a l'habitude, nous on parle de la langue de tous les jours, mais un comédien, il va tout de suite avoir une rythmique et une pulsation, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais la pulsation, c'est très important. Et donc en musique, quand je les entends chanter seuls, parce que je les entends depuis que je suis gosse, donc en fait c'est parce que je suis beaucoup beaucoup plus jeune qu'eux, évidemment. Et... On est tous beaucoup plus jeunes qu'à quoi vivre. Hein. Non, mais il y a toujours cette pulsation. Et je pense que à l'écoute. C'est ce qui rend ce groupe particulièrement, qui nous touche le plus, c'est parce qu'il y a cette pulsation. C'est comme un musicien qu'on écoute, un musicien même classique qu'on écoute, on se dit, il y a quelque chose qui nous gêne, on se dit, bon, alors il y en a... On n'arrive pas à l'analyser, mais on se dit, il y a un truc. Et bien, c'est la pulsation qui manque. Et chez un étudiant qui va jouer une œuvre, moi, tout de suite,
à une œuvre de Bach, par exemple, qu'il va jouer seul. Et cette œuvre de Bach, tout d'un coup, elle va devenir extraordinaire, parce que la musique elle-même, elle est écrite, elle est extraordinaire, si elle est dans la pulsation. Si elle n'est pas dans la pulsation, on se dit, oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on va inventer des tas de trucs, crescendo fin, crescendo vibre. On prend plein de détails, mais juste, il faut juste que... Voilà. Vous sentez l'enseignant ? On vous l'a dit, oui, cet homme n'est pas que premier violon, il a aussi sa casquette d'enseignant, et il a aussi, dans Sori Musica, voulu faire pas seulement des concerts, des représentations, aussi faire des masterclass, des stages. Ça aussi, c'était important. On sent ton envie de transmettre, de faire comprendre, d'entraîner. Tout à l'heure, on a entendu aussi Pierre-André qui... Oui, c'est bon, Maxime, Pierre-Antoine, qui nous disait, on a la volonté d'amener vers nous aussi des gens qui ne sont peut-être pas adeptes de cette musique classique. Monsieur le maire disait la grande musique, si Bertrand m'entend dire ça, il va me frapper. Cette volonté d'amener encore plus de monde vers ça. Justement, faire comprendre que c'est tout bêtement la musique. C'est pour ça que j'aime pas grande, moyenne, petite musique, c'est la musique. Je te promets, il y a de la petite musique. Hein. Ça, par contre, alors autant, je sais pas si pour la grande on va être d'accord, mais des fois de la petite musique, je te jure qu'il y en a. Je te ferai écouter. Mais dans la musique traditionnelle, c'est pour ça que moi j'ai toujours voulu faire ce rapport étroit entre les deux musiques. C'est pour ça qu'au festival, dès le début, il y a eu des cours de polyphonie, il y a eu des cours de musique traditionnelle, parce que je voulais faire comprendre d'abord aux gamins qui venaient de l'extérieur qu'en Corse on avait une vraie culture, et que la musique était là, parce que la question, tu sais, qu'on me posait souvent, ah, vous amenez la culture dans les villages. Vous amenez la musique dans les villages. Alors, ça me... y était. Non, mais ça me fait m'esclaffer. La musique, elle est dans les villages, dans chaque maison, il y a une guitare, une chétera, un chanteur, un type, un violon, il y a des tas de violons partout. Donc, c'est-à-dire que la musique, elle y est, donc on n'apporte rien. C'est juste qu'on a envie de... C'est comme quand on lit, c'est des morceaux de trucs noirs sur une feuille. Et tout d'un coup, quand on lit ce qui est marqué sur quelque chose, tout d'un coup, ça s'élève. Là, c'est pareil, tout d'un coup, on a envie de faire renaître des choses et de faire renaître la rencontre. D'où la rencontre avec la filette, parce que bon, ça fait des années qu'on se voit, on se dit tiens, on se voit une fois tous les 5 ans, on se dit tiens, il faut qu'on fasse un truc. Bon là, ça se trouve parce que leur planning coïncidait avec le nôtre, et puis donc c'est génial. Mais ça, finalement, ça, on le fait au concert. Mais moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est le faire en vrai, dans la vraie vie. Enfin, oui, il y a des masterclass, on en a parlé tout à l'heure. Pour cette année, c'est trop tard, vous ne pourrez pas vous y inscrire. Il faut déjà y penser pour l'an prochain. Oui, Sori Musica, ce n'est pas que l'été, c'est aussi l'hiver. Donc, continuez à vous renseigner sur leur site internet. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que ce moment d'échange entre la Villette et la formation de Bertrand Savera, c'est ce soir, c'est à 21h30, et uniquement. Il n'y a pas une frustration de se dire, putain, on crée un truc là, et c'est éphémère, et il n'y a pas moyen de... Je ne sais pas, moi... Faire quelque chose. Il y a toujours l'idée de se dire on va faire quelque chose, mais en même temps la musique c'est, alors je passe pas de la philosophie hein, mais c'est juste comme la vie, c'est-à-dire que ça commence et à un moment donné ça se termine. Alors c'est affreux quand ça se termine avant la vraie fin, donc ça c'est pas naturel. Mais une œuvre quand elle est commencée, elle doit finir, et mais c'est éphémère, c'est-à-dire que c'est, voilà. Et on n'a pas envie de le graver. Une fois que c'est passé, j'ai envie de dire que le disque quelque part a dénaturé complètement le côté éphémère. Alors c'était bien, alors quand on enregistre on se dit ah oui mais je vais refaire, alors on refait une mesure, on refait, et alors évidemment les gens en ont besoin, tout le monde ne peut pas venir au concert, c'est une sorte de partage de ok. Attention avec les albums, ils viennent de sortir un superbe album. Mais comme nous tous, on a tous sorti des disques et on est content de les sortir, parce que c'est bon, il y a eu aussi l'ego, j'ai fait mon disque, bon, c'est pas le cas d'affilette, ils ont fait tellement, donc on n'est plus là-dedans. Mais c'est aussi de faire découvrir d'autres choses, des créations justement que tout le monde puisse connaître. Mais le fait de figer qui pose un problème à un moment donné. C'est pas naturel. La musique, c'est pas ça, c'est pas de la sculpture, c'est pas de la peinture. La musique, c'est un moment. Voilà, ça. Alors le type qui l'a écrit. Il a écrit pour toujours, mais moi, quand je le joue, je ne suis qu'un interprète. Donc, le compositeur, lui, c'est un génie, c'est un artiste. Moi, je suis un interprète, c'est toute la différence. Et moi, en tant qu'interprète, c'est éphémère. Voilà. On a fait un concert un jour avec un grand chef d'orchestre, et il était vieux, il a perdu le contrôle de lui-même, il est tombé. Et donc, l'œuvre s'est arrêtée. C'était la symphonie de la pathétique de Tchaïkovski. Et en fait, ce qui a été le plus choquant, je pense, pour les gens, c'est pas tellement qu'il tombe, c'est que la musique s'est arrêtée. Et voilà. Et donc, je vous dis, c'est comme la vie. Elle doit s'arrêter au moment où elle doit s'arrêter. Avant, c'est pas avant. Naturel.
pas après non plus. Bon, on va peut-être vous laisser vous reposer un peu. Il est 7h moins le quart dans... Oui, un petit peu. Il fait moyennement chaud. Il fait moyennement chaud. Juste pour l'anecdote... Je ne crois pas la poudre. Moi non plus. Hein, pour tout à fait honnête. Si. Juste pour l'anecdote, hein, pour que tu saches en tant que père. J'étais en train de rencontrer Marcel. Je disais, parce que entre nous, heureusement que les petites mains sont là, parce que les autres, ils se montent la sec sur scène, les Bertrand Cervera et autres. Il mord, hein. Faut pas dire du mal de papa, hein. Il a regardé, il fait quoi? Le petit Maxi. Merci Bertrand, merci Aquavive, merci à toute la formation, parce qu'on en a parlé un peu, il n'y a pas que Bertrand dans cette formation, il y a dis vite des prénoms, parce que je les ai oubliés. Et Stéphane, Marco, Hélène, Nicolas, enfin il y a tout le monde qui est là pour faire vivre l'échange et la rencontre. Et on a cité, il y a quelqu'un tout à l'heure qui s'est permis de citer en direct une phrase, nous n'oublions pas, la musique n'a pas de frontières, pas de nationalité, pas de passeport et pas de couleur, elle est la résonance et le miroir de nos âmes. Merci. C'était lui qui l'avait dit. Ça se passe à 21h30, ça se passe à l'église Sainte-Marie, ça se passe à Vico, il ne faut pas louper ce moment. Et si vous le loupez, il y aura quand même d'autres concerts, ça se passe jusqu'au 31 juillet, toujours dans la région. Et ça se terminera en apothéose avec notre ami... Diana Salicet. Est-ce qu'il est parti comment il s'appelle? Bertrand Cervera. Non, le monsieur. Pierre-Antoine. Pierre-Antoine. Va me chercher Pierre-Antoine. Tu dis qu'il nous rejoigne. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Ben oui, on va dire au revoir de l'extérieur, peut-être. Donc oui, ça se passe jusqu'au 31, ça sera l'apothéose, ça sera au couvent de Vico. Et entre-temps, voilà, le programme, il est là, il est face à vous. N'hésitez pas, il y a les dates. Il y a les lieux, et si vous voulez bien entendu en savoir plus, il suffit de vous connecter sur... Non, vous pouvez passer, monsieur, vous inquiétez pas. De vous connecter sur la page Facebook de Soul in Musica et sur leur site internet, c'est soul-in-musica.corsica. Et où est-ce qu'il est? Il arrive. Vous voyez, quand même, on va dire au revoir parce qu'il fait partie vraiment de l'organisation de Soul in Musica. Et c'est avec lui que je voudrais vous dire au revoir. Il est 7h moins 10. Voilà. Ça y est, je ne sais pas combien de temps on a tenu, c'est même pas... Je sais pas, mais tiens, on fait un petit tour juste avant de dire au revoir, oui. Parce que les gens, oui, sont toujours connectés. Il y a plein de gens qui ont dit... Merci à vous. Bravo, super venu. Guy, belle soirée à venir avec Nénette. Non, pardon, Nanette. Guy qui nous dit, si on peut me renseigner, ben, il suffit de vous connecter sur les sites que je vous disais tout à l'heure pour avoir toutes les informations. Yvon nous dit bravo. Duo Coiffure nous dit que c'est un très bon reportage. Ben, ça, on ne va pas se priver. Super, belle soirée à venir. Bisous. Tellement beau la musique Corse de la part de Jackie, merci. Marie-Léna qui nous dit que c'est un grand moment aussi. Et Mylène Grisot qui nous dit merci pour ce reportage, belle rencontre, bravo à l'équipe et bravo surtout à l'homme le plus beau de toute la région, PA. Ah oui, non, c'est vrai. Pierre-André, mais c'est pas moi. Hein. C'est Pierre-André. C'est combien de fois je t'ai appelé Pierre-André ce soir? Mais ça fait rien. C'est pas comme si on se connaissait depuis 20 ans. Hein. J'ai l'habitude. Mais merci à vous, hein, surtout, d'être revenu. Un dernier mot pour les gens, merci. Ça commence dans 10 minutes. Jean-François, comme moi. Allez le voir, Jean-François. Non, il est parti. Non, bah, ça va. On commence dans 10 minutes. Casenaved, non. Voilà, dans 10 minutes, ça commence avec les basques, ensuite 21h30 et ça se termine le 30 juillet au couvent de Vico. Merci, à bientôt. Nous, on se retrouve demain. Demain, Laurent, nous serons en Haute-Corse. On sera à Bastia. La nuit de la mémoire, Notelia Memoria, la relève du gouverneur. Super, je me souviens plus de la nuit de la mémoire, c'était... Non, c'est de l'humour, mais bon, c'est pas drôle. Bon, allez. Désolé. Allez, à bientôt. Ciao.